On avait créé le studio en fait pour à l'occasion du Kickstarter qu'on avait fait pour le projet. Et on travaille depuis chez nous. Et on n'a pas encore de studio physique, mais ça nous permet quand même d'avoir une grande liberté au niveau du développement, de comment on s'organise. J'ai quitté mon ancien boulot pour commencer à créer un jeu vidéo. Et c'est là où j'ai connu Louis sur un forum. Et c'est comme ça que je suis rentré dans la boîte pour bosser sur Dark Devotion. Au niveau formation, moi j'ai pas eu une formation purement jeu vidéo, mais j'ai quand même quelques bases en jeu vidéo. Mais je voulais créer aussi de moi-même, donc j'ai appris à programmer sur un logiciel de programmation simplifié. Et de fil en aiguille, en continuant et en persévérant, j'ai fini par avoir le niveau suffisant pour pouvoir créer un projet qui puisse être vendu. Ma formation ne concernait pas du tout non plus le développement de jeux vidéo. J'ai quitté un master en biochimie structurale pour lancer l'entreprise avec Louis et Alexandre. Mais concernant du coup mes domaines d'expertise au sein du studio, je me suis toujours formé en autodidacte sur la musique. J'ai beaucoup écrit, mais non, je n'ai aucun diplôme en tout cas à ce niveau-là. Je crois que c'est quelque chose qui nous caractérise pas mal. De tous être autodidactes dans nos domaines et de ne pas avoir eu de formation académique. Je pense que c'est quelque chose d'assez atypique dans notre studio et qui peut être vu comme une faiblesse, mais ça ne nous dérange pas et on apprend tout le temps, on continue d'apprendre constamment. On a des faiblesses inhérentes à notre jeunesse et notre inexpérience, mais ça permet aussi d'apporter quelque chose d'assez rafraîchissant, je pense. Que ce soit des idées un peu plus originales ou essayer des choses qui n'ont pas été faites, mais juste c'est vrai que ce manque d'expérience en fait apporte aussi une certaine originalité et surtout spontanéité dans notre démarche. Et ça, c'est vrai que c'est autant une force qu'une faiblesse finalement. Ouais. Ce qui m'a donné envie de faire du jeu vidéo, j'ai jamais réellement voulu en faire, je crois. Ce qui m'intéresse dans le jeu vidéo, c'est plus en fait que c'est un cadre dans lequel on peut instiller tout l'art qu'on souhaite. Et moi, c'est ça en fait qui m'a intéressé à l'origine. C'est vraiment en tant que pratiquant de multiples arts. Je me suis peut-être retrouvé, bon c'est après cette façon très fortuite, mais je me suis retrouvé à faire ça et à quitter mes études. Mais ouais, j'ai rien me prédestinait en tout cas à faire ce genre de choses. De mon côté, c'est un peu pareil. Je savais même pas qu'on pouvait travailler dans le jeu vidéo en fait. Alors moi, j'étais un très très gros joueur de jeux en ligne et je passais un peu mon temps là-dessus. Et je savais même pas qu'on pouvait faire des études de jeux vidéo, qu'on pouvait travailler là-dedans, j'en avais aucune idée. Et ce qui a été un déclic pour moi, c'est que j'ai eu... pendant mes études, j'ai vu une promotion sur Steam sur RPG Maker. Et donc j'ai acheté le logiciel et j'ai commencé à passer mes journées dessus. Je faisais que ça tout le temps, tout le temps. Je suis un gros fan de jeux vidéo depuis tout petit, surtout de RPG. Et j'ai commencé aussi sur des petits logiciels comme RPG Maker. Et je me suis toujours dit, peut-être qu'un jour je vais créer mon jeu et c'est pour ça que j'ai pris la décision de quitter mon boulot et de me lancer enfin dedans pour voir si ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. J'avais pas vraiment d'attente en me lançant dans le jeu vidéo. Je savais pas du tout à quoi m'attendre, j'avais pas d'idée précise de comment ça allait être. Vu qu'on a notre propre studio, on n'a pas vraiment de contraintes, on peut vraiment créer les univers qui nous tentent. Donc comme c'est nous qui nous imposons nos propres règles, on n'a pas de désillusion à avoir, on est très heureux de... Enfin moi en tout cas, je suis très heureux de me lever le matin et de travailler. Je ne m'attendais pas que ce soit aussi compliqué, même si on travaille de chez nous, qu'on est quand même relativement libre de faire ce que l'on veut. Je trouve quand même que c'est très compliqué, qu'on est loin de dire travailler dans le jeu vidéo c'est trop bien. C'est pas vraiment la réalité, parce que y a pas mal de contraintes. C'est compliqué en effet parce qu'en fait, ce milieu-là, et surtout en indé, en fait, nécessite que l'on soit bien plus que ce que l'on nous demande, si je puis dire. Dans le sens où on ne peut pas juste être un simple graphiste. Il faut avoir une plus-value. Alexandre offre bien plus que de simplement casser des cailloux, pour dire ça grossièrement, quoi. Parce qu'on n'a pas le choix, il n'y a personne derrière nous. On n'a aucun filet de sécurité. Il faut faire des démarches tout seul, se tourner vers l'extérieur. Il y a énormément de choses. Moi, je sais que jamais je me serais douté, en tout cas, même si je n'avais aucune idée, mais que ce soit autant exigeant d'un point de vue intellectuel, parce qu'il faut être là tout le temps et s'assurer que tout est parfait, parce que personne ne le fera à votre place, quoi. Et ça, c'est quelque part effrayant, mais aussi, d'autre part, hyper stimulant. Et c'est une aventure exigeante, mais
quand elle marche, j'imagine que ça vaut le coup, mais... Ouais. Ouais. Il y a quelque chose qui moi, m'a marqué, c'est la différence entre ce qu'on pense qu'est être développer un jeu et développer vraiment un jeu. C'est-à-dire que développer un prototype, développer un petit projet, c'est simple. Mais développer un gros projet en prenant en compte toutes les contraintes qu'il peut y avoir de plateforme, de langue, de toutes ces petites contraintes-là qui paraissent pas comme ça, en fait, ça, c'est vraiment quelque chose qui est un travail assez énorme à faire. Et dont, en tout cas, moi, je me rendais pas compte quand je faisais des petits prototypes avant. Et... Ça a été tellement chaotique, en fait, le début, que c'est presque le hasard des choses. Une chose entraînant l'autre, on s'apercevait qu'à chaque fois, on arrivait à toucher des gens, à engranger un peu d'argent, à réussir un Kickstarter, à être contacté ensuite. Et je résumerais ça de la façon suivante, c'est que c'est une chose entraînant l'autre. On s'est aperçu de plus en plus que notre idée et notre projet et le jeu, finalement, en lui-même, avaient du potentiel. En fait, ouais, on s'y attendait pas du tout, de l'engouement du projet. Surtout qu'au début, le jeu ne ressemblait pas du tout à ça. On a changé de direction plusieurs fois et on a essayé de trouver quelque chose qui plaisait ou qui allait plaire aux joueurs. Et c'est vrai que en enchaînant le Greenlight, le Kickstarter, et toute la communication, on a réussi à faire une petite communauté. J'ai été intégré à l'équipe en fait un peu plus tardivement, dans le sens où on avait un ami nommé Baptiste qui faisait quelques concept art en fait pour déjà le projet à ses débuts. Je me souviens, la page Facebook, il y avait que 50 likes à l'époque. Et moi, j'avais vu ce jeu et ça m'avait hypé. J'aimais trop pixel art, cette ambiance noire, gothique, romantique. Et finalement, j'en avais parlé à ce Baptiste et il m'avait dit, bah tiens, je peux essayer de te brancher avec eux, peut-être qu'ils ont besoin de son, on sait jamais. Et il s'avérait que oui, et puis finalement j'ai pu, comme je disais avant, offrir plus que ça. Et c'est peut-être aussi ça qui m'a verrouillé dans l'équipe et qui m'a mieux intégré que d'autres potentiels prétendants à cette place-là. Pour moi, il y a une grosse évolution entre le début du projet et maintenant. Parce qu'il y a vraiment eu toute une phase où je travaillais sur le projet en étant salarié dans une boîte. Donc ça m'obligeait à travailler le matin très tôt, sur ma pause midi et le soir jusqu'à très tard et les week-ends. Donc j'étais un peu épuisé, j'en pouvais plus. Et même avec les impératifs, on avait souvent la volonté de bien faire et ça faisait souvent des journées très remplies et des week-ends très remplis. Et depuis pas très longtemps, depuis qu'on a un peu plus le contrôle sur le projet, qu'on sait mieux où on va, qu'on a plus d'expérience, on arrive à, comme disait Arthur, à se limiter à faire des journées théoriquement des journées salariales normales, mais on déborde toujours un peu. Mais en tout cas, ça permet d'avoir un meilleur cadre de vie, et de moins être fatigué, de moins subir, et que ça soit plus un boulot comme un autre, et que voilà. Donc on essaie d'aller vers ce côté-là plus sain pour la santé de notre côté, pour pouvoir tenir sur la durée. Comment est-ce qu'on se reconnaît dans la scène indé française ? On a eu la chance d'être comparé à... vaguement, hein, c'est très, comment on dit, ça rend humble et à la fois mêlé de fierté d'être comparé à Motion Twin. En fait, c'est ce que j'allais dire, c'est comme on n'a pas fait d'école, on n'a pas les contacts, ouais. On a très très peu de contacts avec d'autres studios et effectivement, on est très humble parce qu'on fait notre truc un peu de notre côté, on essaye de faire du mieux qu'on peut. Mais sans avoir vraiment de feedback, de retour d'autres développeurs. Maintenant, ça commence parce qu'avec Zircat Crew, on a des contacts et ça, c'est vraiment super. Mais on n'avait vraiment pas... on n'est pas encore au stade où on est intégré dans la scène indépendante française, où on a des contacts, où on a des meetings avec d'autres studios. Donc pour l'instant, on s'y connaît assez peu. Et peut-être qu'un jour, on verra. Trop chou. Quoi? T'es trop mignon, bébé. Je sais.